Salut, salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de d'Another Homepage. Je suis Nils et on se retrouve pour une nouvelle session de Lab as Code. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes parés. Et bonsoir à toi, Xavier! J'espère que tu as passé une bonne journée aussi. Hop! Alors, la vidéo, ça a l'air d'être bon. Le son. Je suppose que vous m'entendez. En théorie, oui. Très bien. Ah oui, t'étais en RTT. Ah bah, nickel alors. Ça fait du bien de se reposer un peu. Surtout juste avant les fêtes de fin d'année. Où mine de rien, on prend des congés. Mais en fait, ça va être tout sauf reposant. Et tu reprends que mardi. Ah oui, ça te fait une belle... Ça te fait quoi là? On est jeudi et tu reprends que mardi, là, ça te fait presque une semaine complète. C'est agréable. Alors, donc ce soir, je ne vais pas tenter de conquérir le monde, mais de conquérir plutôt Ansible. Alors, où en étions-nous restés par rapport à la dernière fois? Je me rappelle qu'on s'était battu avec la précédence des variables, avec PHP. En tout cas via Ansible. Et petit rappel donc, hop, on met la caméra ici. Et donc notre but reste toujours via cette machine de déployer des sites web sur cette machine via notre labo automatisé. Et nous allons ensuite. Alors. Descendre le... Hop. Ah bah je vais rapprocher le micro, ce sera peut-être mieux. D'ailleurs, salut à toi Sébastux. Salut à toi Gélandur aussi. J'espère que ce sera mieux comme ça, en tout cas pour le micro. Hop, je le rapproche encore. Alors, hop, et le casque, le fil, c'est bon. Voilà. Alors. Donc ça, c'est notre schéma habituel. Je pense que vous commencez à connaître la chanson. On va se retrouver aussi ici. Alors, vous pouvez voir sur l'adresse. D'ailleurs, je crois que ce que je voulais faire à la base, c'était plutôt ça. Et le descendre comme ça. Voilà. Et donc, en fait, on peut voir ici que l'adresse est isp3vps1.example.com sur lequel j'avais déployé le site statique d'anotherhomepage.org. Et ici, j'avais déjà mis en place donc ISP3 VPS2 juste pour avoir un petit placeholder. Donc, on va se retrouver ici sur la machine ISP1 VPS1 qui sert à déployer tout ça. D'ailleurs, c'est bon le son, j'ai l'endur, c'est mieux maintenant que j'ai rapproché le micro. Alors, SRV git la base code Ansible. Hop. On va aller sur... tiens, je vais rester ici. On va faire pareil. Hop. Voilà. Ah, bon, bah si c'est mieux. VPS3, je crois. Non, c'était VPS2. On va aller... Ah non, oui, .example.com. Hop. etc php-fpm.d et on a nos trois sites. Et si je fais un petit SRV 3W, on a le catch-all dvwa foo isp3 site et isp3 vps2. Ok, alors on va aller ici, on va aller regarder un petit peu notre code, où est-ce qu'on en était. Donc, on avait un rôle de de lemp. Rôle lemp. Salut à toi, The Tourist. J'espère que ça va bien, que tu as passé une super journée. Lemp. Et ensuite, on a les tâches. Et... Oups là, j'allais oublier quelque chose. Le petit moins p ici. Et on rajoute... Alors, ce n'est pas le task, mais le vars.
Hop. Voilà. Voili, voilou. Bon, bah, je crois qu'on est paré, hein. Donc là, on a quoi? Là, on a les variables. Et là, on a les... Oups là. On a toute la partie intelligence. Et donc, la dernière fois, on en était resté à... on s'était rendu compte qu'utiliser le rôle PHP MySQL de Jeff Gerling rajoutait une instance du rôle PHP, ce qui nous mettait un peu le bazar dans les variables. Ah, il est encore bien chaud celui-là. Alors. Eh ben on va commencer comme à chaque fois, hein. Je vais relancer le rôle. Je vais relancer le rôle. Et on va... alors, TMP Ansible. Non, c'est bon. C'est bon. Hop. Donc je vais le lancer. Et puis on va voir si ça fait ou pas des chocs à pic. En espérant que ça n'en fasse pas. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Python Deps. C'était quoi les Python Deps? Hop. Ah bah oui, Python 3, pas MySQL. Ouais, normal. Normal. Tout à fait logique. Il a l'air de se traîner un peu ce soir. Ah bah voilà. Qu'est-ce qui lui arrive? Unreachable? Mais pourtant... Pourtant il est là. Alors, si je prends mon inventory isp3 vps2.example.com, role lamp.yaml isp3 vps2. Ouais, pourtant je me suis connecté en SSH, voilà. Sudo pgrep nginx, PHP, MySQL, enfin MariaDB plutôt. Ouais, tout est là. Pourquoi est-ce que tu es unreachable? Il exec ssh-c nanana. Contrôle paf. Ok. Et il lance un bin sh-c rm-f-r. Ok. Alors, là, ça marche. Ça marche. C'est dingue, hein. Moi, je pensais la semaine dernière que, on allait pouvoir avancer, et puis en fait, y a toujours des bâtons qui se mettent dans les roues, là, c'est... Ça en devient, comment dire? Alors je vais pas dire que ça en devient relou, au contraire. Il y a des choses, des fois on les voit pas sur l'instant, et puis après on éteint, on rallume, et hop, il se passe des choses. Donc finalement c'est assez instructif de voir tout ça. Mais ça fait un peu, comment dire, vous savez, c'est quelle est la nouvelle blague que je vais avoir en début de stream le jeudi soir? Ça en devient, voilà.
Ça en devient presque traditionnel. C'est oui, je vais lancer le truc, mais il va se passer quelque chose. Alors. Pourrait même limite dire que ce serait pas drôle si tout se passait bien. Hein? Pourquoi est-ce que. De toute façon, RM ou RM. Nanana, alors, est-ce qu'il y a un point de cible là-dedans? Ouais, ok. Ouais. Ah, il y a un truc route-route. Peut-être ça qu'il aime pas. C'était peut-être pas très malin de laisser triple V, mais bon. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Non, il passe trop de temps là. Non, il se passe un truc. Ok. Alors, est-ce qu'il m'en a refait du coup du. Ok. Ok. Ouais, pourtant d'habitude. Ah, tiens, je vais essayer juste celui-là avec les tags PHP FPM. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est juste cette histoire de. Ouais, ça passe. C'est chelou cette affaire. Package name, Python 3, PyMySQL. Est-ce qu'au moins il existe ce package? Python 3, PyMySQL. Ouais, il existe. Je vais quand même pas commencer à aller regarder comment installer des packages via Ansible. Normalement, c'est comme ça. J'ai pas. Ah là là. Alors, je vais mettre ça en commentaire et puis on va voir si le reste du rôle se déroule. Parce que de toute façon, le package est installé. Et j'aimerais quand même valider que grosso modo, tout le rôle fonctionne en fait. Alors pendant ce temps, si je reviens ici, ah là du coup vous vous retrouvez avec le, ok, je vois. C'est l'inconvénient quand j'utilise toute l'étendue des bureaux virtuels. Parce que, enfin, toute l'étendue ou presque, c'est qu'en fait, ah, j'aurais peut-être dû enfin, j'aurais peut-être dû garder l'option du le bureau virtuel et que sur mon écran de gauche. Mais ça aurait peut-être été embêtant ensuite pour les autres trucs. Alors, ce qu'on va faire, est-ce qu'on se lancerait pas un petit sondage? Est-ce qu'on s'en serait pas un petit sondage? Hop. Et alors, le sondage. C'est. Combien de temps pour résoudre cette histoire de package? Alors, on va dire moins de 30 minutes. Moins d'une heure. Moins d'1 h 30. Moins de 2 heures. Ou alors, tout le stream. Et même plus. Hop.
plus encore. Et plus. Voilà. Allez. On va voir à quel point vous êtes optimiste. Ensuite, pendant ce temps, on a eu... Ah, tiens. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est encore un truc avec une installation de package. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un souci. Bon, c'est vrai que je suis encore en Fedora 36. Alors, pendant ce temps, on a Sébastux qui me propose de lancer un hashtop sur la machine cible pour voir ce qui se passe. Effectivement, c'est assez pertinent. C'est assez pertinent. Je crains qu'on ne voit que du Python, mais c'est quand même pertinent. Je vais d'abord m'assurer que... En fait, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que un truc que j'ai pas vérifié avant le stream, isp1dns1.example.com, ctl status... Bon. Voilà. Et je crois qu'on avait DNS mask, hein. Ah non, il a l'air quand même de récupérer les... Il a l'air de récupérer les mises à jour. Je craignais que le service DNS mask... soit coupé. Alors déjà sur le premier DNS, on est bon. On va aller regarder sur le deuxième DNS. DNS mask. Hop. Donc lui aussi il fonctionne a priori. Et si je fais un dig at 127.0.0.1, on va dire linuxaffaires.org, hein, parce que j'aime bien. Voilà, donc il répond. Peut-être même en le faire en plus short, comme ça, on le verra tout de suite. Et je remonte légèrement le micro. Hop. Pour éviter de me prendre le bras dedans. Alors... Donc, là, on est bon. Et là, on est bon aussi. Pourquoi il a clos... Bizarre, ça. Time 37 minutes, ouais. C'est DNF qui a décidé de me casser les pieds ce soir. Alors, où en sommes-nous du petit sondage? Voir les résultats. Alors, est-ce que vous êtes optimiste? Bon, en fait, personne n'a voté. ce soir, c'est pas une soirée vote. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ah bah voilà, là on a des choses. Allez, je vais relancer, je vais décommenter ça. Et... Ah, vous avez pas vu passer le sondage? Ah oui, dans ce cas-là, c'est un peu ennuyeux si vous voyez pas passer le sondage. Ah bah voilà, en fait il suffisait juste que je mette à jour... Alors, dans ce cas-là, parce que là le truc il dit juste vas-y installe-moi le package. Donc si ça se trouve je pense que j'avais... T'as bien ton comptage j'ai l'endure. Tiens c'est étonnant ça. Si je refais ce sondage, voir les résultats... Ah mais je peux, c'est quand même bizarre ça. Je vous le montre, hein. Honnêtement, le truc, il me dit zéro partout, hein.
Chelou cette affaire. Je vais en refaire un. Je vais en refaire un parce que bon. On remarque, on va pas se casser la tête dessus. A priori, on a déjà trouvé le. On a déjà plus ou moins mis le doigt dessus. Parce que là, il est en train de tourner. Et donc, ce que j'étais en train de me dire, moi, c'est que si jamais je fais un petit Ansible install packages pour aller récupérer la doc. Salut Alain! C'est gentil de venir nous voir. Et c'est même très gentil à toi d'avoir resub avec Prime. Merci, merci. C'est Noël en avance ici, grâce à Alain. Merci beaucoup. Alors. Built-in package module. Voilà. Maintenant, on parle. Alors. Ce de mémoire, je me demande s'il n'y a pas un truc du genre faire des upgrades ou faire une mise à jour des repos avant. Donc le nom, ouais, le state présent. Alors, je crois que le. Ah, on peut utiliser latest. Ok. Mais présent, c'est pas mal. Présent, c'est pas mal ça. Et puis, on a quoi? Les attributs? Check mode, diff mode, plateforme. Salut à toi, Fixoulab. Bon, j'espère que Fixoulab et Alain, vous avez passé une bonne journée aussi. Je demande ça à tout le monde, hein, vous inquiétez pas, les mecs. Et les nanas d'ailleurs. Et les gens qui se définissent autrement aussi, hein. Je suis pas binaire. Merci à toi, Nilith, pour le follow. Merci, c'est très gentil. Je t'avoue que la journée a été un peu longue. Mais à part ça, ouais, ça va. Je suis pas au mieux de ma forme, mais je suis loin d'être au moins bien. Donc déjà, on est content. Alors. Bah oui, c'est ça, impec. Non, c'est surtout que j'ai un peu mal organisé mes séances de sport de la semaine. Donc j'ai fait une séance de sport ce soir avant le dîner. Donc ça m'a un peu. Ça m'a un peu achevé. Donc a priori. C'est pas ici qu'on lui dit de. J'ai envie d'être quand même un minimum générique. Si je mets le latest. Parce qu'en fait, je pense qu'on risque d'avoir le problème un jour. Là, au final, c'est pas, la question n'est pas tant de. On a compris ce qui s'est passé. On a compris pourquoi ça a foiré. J'ai mis le présent. Alors, j'hésite. Est-ce que le fait de mettre juste state présent va, comment dire? Est-ce qu'il va vouloir quand même mettre à jour les repos ou bref. Je suis un peu embêté sur ça. Ou alors je me prends peut-être la tête pour pas grand-chose. N'hésitez pas à me le dire. Ah mais attends, là il m'a envoyé directement sur le repo Ansible, il m'a pas emmené sur. Ah oui d'accord, c'est juste pour les. Ouais, ok. Oui, vu que ça fait partie des trucs de base, forcément il me renvoie sur le repo Ansible de base. Ok. Bon, je vais pas mettre latest parce que je veux pas forcer une mise à jour. Je vais laisser comme ça. Ce qu'on va se faire. Salut à toi, Electronic Brain. J'espère que t'as passé une bonne journée.
Allons-y. Ansible, lamp. Remarque, non, j'ai pas besoin de git push. Bon, alors, on va peut-être pouvoir avancer sur cette partie de MySQL finalement, ou de MariaDB. Donc, on avait déjà installé MySQL. Et alors, la question, c'était est-ce que comment dire, nos bases, nos tables et nos utilisateurs sont bien créés comme il faut. Rebat-toi, The Tourist. Ah, ton Firefox a explosé. RIP Firefox. J'espère que tu as récupéré tous les morceaux, que tu as pu les rassembler. Alors. Ah oui, en plus, on avait dans les variables. Alors, MySQL. C'est vrai qu'on avait des trous et des false, je crois. Donc en théorie, il ne m'a pas fait de base pour ISP3 VPS2. Donc on va vérifier ça tout de suite. MySQL moins U route. Voilà. Show database. Avec un S à la fin. Et on a dit quoi? Il ne devait pas me faire de base pour ISP3 VPS2. Donc ISP3 site 2, oui, mais ISP3 VPS2, non. Et a priori, on a ISP3 site 2, mais on n'a pas ISP3 VPS2. Et ça, c'est cool. Un autre truc, bah en fait, j'ai l'impression que les bases sont propres. Donc je dois pouvoir me connecter en tant que ISP3 site 2 avec le mot de passe password. ISP3 site 2 moins P. Ok. Show database. Alors normalement. Voilà, j'ai. Ah tiens, j'ai qu'une information schéma. Ah, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Au niveau des droits, donc je suis pas bon. Puisqu'effectivement, j'ai mis. Ah oui, j'ai mis étoile point étoile usage. Ouais. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça, hein. Donc, on va peut-être peut-être enfin se lancer sur MariaDB ce soir. Oui, parce que ouais, étoile point étoile de point usage, c'est pas ultra génial. Alors, moi, ce qui va m'intéresser comme droit, ça va être d'avoir tous les droits sur la base qui portent le même nom que l'utilisateur. Et c'est tout. Et éventuellement. Éventuellement. Salut à toi, Adrien. C'est gentil de passer nous voir. Merci beaucoup. Tiens, d'ailleurs, on va peut-être même en profiter pour faire un petit. Ah oui, mais alors, du coup, si je ramène mon Firefox ici, vous allez vous retrouver comme ça. Et si je fais mon petit shoot-out, mon pas shield, hop. Shoot-out, Adrien. Hop. Voilà. Alors, je vous invite à aller poser vos follow chez notre Adrien Linux Trix adoré. D'ailleurs, je me demande si t'as pas, si t'avais pas liké ou reboosté. Alors, je sais plus si c'était sur Mastodon et ou Twitter.
l'un de mes récents posts de blog. Je crois que c'était, je sais plus lequel c'était, je me demande. Parce que j'ai vu passer d'autres partages. Donc ouais, sur Twitter, ok. Bah merci à toi. Ça me permet d'ailleurs de vous signaler que voilà, j'essaye cette année de refaire un petit ce que j'appelle un petit blog mass, où j'essaye de poster un billet de blog par jour. Je l'avais fait il y a quelques années. Je l'avais fait en 2017, je crois. Et donc du coup, je postais à cette époque en français sur mon blog. Et là, je le refais cette année. Alors, je m'y suis pris le 2 décembre, donc j'ai loupé le 1er décembre. J'aimerais bien le rattraper, un de ces quatre. Mais là, je fais les posts en anglais. Et je me suis amusé j'ai commencé à m'amuser avec les problématiques de performance vis-à-vis des vulnérabilités CPU. Ce qui m'a amené à me repencher sur les problématiques d'InitramFS et de comment on manipule cette petite bête qu'est l'InitramFS. Donc, si jamais vous êtes intéressé, hop, on va tout se mettre là, blog.anotherhomepage.org, comme nous sommes le 8 décembre, il y a donc cet article-là. Hop! Et j'avais eu quelques petites blagues, notamment un processeur qui était vulnérable à rien. C'est assez drôle. Voili, voilou pour ce petit interlude. Revenons donc à notre MariaDB. Notre MariaDB sur lequel j'ai pas forcément mis des droits super tip-top. Alors comme je suis une wish Lorraine en base de données, eh ben, je vais rechercher les choses sur mon moteur de recherche. Alors, MySQL give user all rights on database. Grant, oui, bah oui, ça c'est grant all privilège. Oh. Et donc tu lui dis MySQL moins moins nanana. Ouais, et tu lui dis grant all privilege nanana on database.name to username. Ok. Et donc a priori ici, il faudrait lui dire deux points, j'imagine, all privileges. On va le tenter comme ça. All privileges. Si jamais il y a des DBA dans l'assemblée, n'hésitez pas à vous manifester avant que j'écrive des énormités. Et a priori, il faudra que je mette bah, sur la même chose que. Donc ce sera site.name.étoile. Puisque donc, si je me rappelle bien, c'est nom de la base de données, point les tables, et donc je mets tous les privilèges. Voilà, database.name.étoile. Allez. Donc, on va pouvoir relancer le rôle uniquement sur la partie hop, MySQL. Je l'avais nommé MySQL, hein. Ouais. Alors, je pense que je vais souvent parler de MySQL, mais dans notre cas de figure ici, on est sur une Fedora, donc on est en MariaDB, hein. Il skip et il fait rien. Il fait rien. Une seule MySQL from Jeff Gerling. Et il fait rien. Et retiens le dicton. Grand quoi ou. Grand quoi on ou Toki. Alors j'ai jamais appris le japonais, Adrien. Salut à toi, Fabou. J'espère que t'as passé une bonne journée, que ça va bien. Non, il skip encore. Je vais le relancer dans ce cas-là. Je vais le relancer from scratch. Ça m'embête un peu, ça va prendre trois plombes.
C'est une blague pour retenir le grand avec l'ordre des arguments. Ah, ok. Ah oui, c'est d'accord. C'est un moyen mnémotechnique. Grand quoi? On, où, to, qui. Ok. Je vois, je vois. Alors, pendant ce temps, il serait qu'il y aura un truc qu'il faudra faire aussi. Il faudra que je rajoute une autre condition aussi. Mais il faudra que je la rajoute un peu partout, puisque l'idée dans mes variables, vous avez vu, il y a un host qui est défini là dans mes sites web. Et l'idée, c'est que je puisse appliquer le même rôle à plusieurs machines. Et que les sites, je puisse les mettre sur une machine ou sur une autre. Ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, tout est installé sur la même machine. Mais déjà, on a le choix de pouvoir dire je veux ou je veux pas PHP et je veux ou je veux pas une base de données MySQL. Ça, déjà, c'est pas mal. Et ouais, bon, là, c'est les trucs de base. C'est qui me... Non, je pense que je vais... Oui, voilà. Exit, oui, logique. Comment ça? Ah, stop, commande notre farm. Alors, si je commence à se faire un... Bon, un top, hein. Top, ça marche aussi. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, là, il fait quoi? Il s'assure que les packages sont installés. J'ai même pas vu passer... Ah si, on voit passer Python 3, mais on voit pas passer le DNF. Alors, on a placé la conf PHP. Ça c'est bien. Hop, cache. Les poules. Ensuite. Ah oui, forcément, il le refait en boucle. Vu que vu qu'il boucle sur les. Alors. On en est normalement là. En fait, configure FPM pools. Donc il va boucler à chaque fois sur chaque site. Et là, on en est à MySQL. Alors. Ok. J'ai cru voir un changement. Getman, voilà, là il est en train de boucler à nouveau sur les utilisateurs. Et ensuite. Ah, si, il l'a changé. Alors, est-ce que je peux remonter? Est-ce que je peux remonter? Non, non, non. Bon. Je pense que c'est la partie gestion des droits. Hein. Donc il a bien fait une modif. Alors maintenant, c'est est-ce que la modif. Va. Ah, voilà. Donc changer 3, ok. Allons-y, allons voir ça. Bah alors, hop. Donc on va déjà commencer par faire un petit MySQL-root, faire un show databases, hop. Voilà. Donc j'ai bien toujours mes bases de données. Là, on est bon. Et là, j'ai bien ISP3 site 2. Alors, j'ai toujours information schéma. Mais ça, c'est parce qu'il a juste réappliqué les nouveaux droits sans forcément enlever les anciens. Mais ça, c'est pas dramatique. Donc, je peux faire un use. Normalement, je peux faire un use de cette database. Hop, voilà. Bon, normalement, il n'y a pas de table. Mais au moins on est déjà on est mieux sur les droits. On est mieux sur les droits, donc je vais pouvoir en profiter tout de suite pour commiter tout ça.
Donc, j'allais mettre permission, mais non. J'ai envie de dire en langage SQL, on va parler plutôt de privilège. Bien, mais ça se passe plutôt très bien ce soir. Non, faut pas que je dise ça. Je vais toucher du bois, je touche du bois. Hein? Ça c'est. Pour l'instant, ça se passe bien, pourvu que ça dure. Je serais presque tenté de faire un sondage. À votre avis, qu'est-ce qui va mal se passer à partir de maintenant? Gonna jinx it. Exactement. Exactement. Ben là, la blague, maintenant, est-ce que ça serait pas le moment pour essayer d'installer un truc? Parce que j'ai. Alors, c'est chantier exit. Là, globalement, j'ai donc mes utilisateurs. J'ai la partie. Si je fais un tri de SRV, 3W. Tiens, on va faire le DVWA. J'ai donc mon arborescence. PHP. J'ai la partie PHP FPM. Et on a pu voir que j'avais la partie MariaDB. Retirer la config par défaut de la DB. Alors normalement, retirer la config par défaut de la DB, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Toute la partie, tu veux dire genre Secure Installation? Ça, il le fait. Je sais plus où. Enable un startup package. TMP ansible.log. Ça me dit un truc. Ça me dit un truc. Mais je crois qu'on le voit. Alors. Tu vois, là par exemple, hein, il m'efface la base de données de test. Hein, il m'efface l'utilisateur anonyme. Il fait une copie du my.cnf. Il met à jour le mot de passe route. Salut à toi Dadoups. Bah écoute, ça va très bien et toi? J'espère que t'as passé une bonne journée. Donc Sébastux, en fait, a priori, la sécurisation se fait. Je pense que c'est surtout que ça doit être des variables par défaut pour la faire. Donc j'ai dû laisser les valeurs par défaut. Je vais remonter tout là-haut. Non, j'ai pas. Ok, bon, tant mieux, hein. Ça fait ça de moins à penser. Quand même revérifier. Il fait l'équivalent de ouais, du MySQL Secure machin. On est d'accord. Non, mais oui, effectivement, vu que j'ai. Normalement, j'ai rien de MySQL là-haut. Ok. Très bien. Et eh ben, on va peut-être essayer, effectivement, d'installer un petit CMS quelque part, hein. Alors, j'ai une petite affection pour DVWA. À la limite, ça peut se tenter. Je suppose que. Oui, alors, j'ai un DVWA.conf qui est. Ouais, ah non, ça c'était tous les vieux. Alors, étoile.conf. Hop. Voilà. Le boulot t'a refilé. Un PC plutôt cool pour travailler. i5 11e gen. Sur ton ancien, t'as la carte. Ah oui, la carte réseau est cramée. Ah mince! La carte réseau, une carte réseau filaire ou Parce qu'après, il y a des gens qui peuvent très bien se dire, bah si la carte réseau filaire elle a cramé, c'est l'intégrer à la carte mère, bah hop, une carte PCI Express et puis zou, hein. Si c'est un ordinateur formateur.
Ah, une carte Wi-Fi. Ah oui, alors pour peu qu'elle soit soudée à la carte mère. Oui, alors ça se change facile, effectivement. Je suis assez d'accord avec Adrien. Après, je... Alors attends, moi la machine, l'ordinateur, le portable le plus récent que j'ai sous la main, c'est un 7ème génération. C'est un 7ème génération, c'est un Dell XPS. Je sais plus si j'ai vu une carte Wi-Fi dedans. Je l'ai déjà ouvert. J'ai remplacé la batterie et j'ai remis un coup de pâte thermique sur le CPU. Je sais que la machine, la RAM, elle est soudée, ce qui m'embête profondément. Ah oui, mais alors Adrien, attention, il y a une différence entre les latitudes et les autres gammes. Hein. Les latitudes, oui, je crois qu'ils sont assez faciles à... comment dire, ils sont assez serviçables. Par contre, quand tu tapes dans du Dell XPS 13 pouces, bah, tu vas dans la finesse. Et par conséquent, il y a quelques sacrifices qui sont faits, notamment sur la RAM. Donc je ne serais pas surpris que... 10 de ref à la limite supérieure au XPS. Ah mais ça, ça, je m'en doute. Je m'en doute. Bref. Bah écoute, t'as une nouvelle machine, profite, j'espère qu'elle durera très longtemps. Puis j'espère que l'autre, eh ben, elle sera malgré tout réutilisée par des gens et pas juste mise à la benne. Parce que bon, c'est un peu dommage. Moi je vous avoue, cette année, j'ai fait beaucoup de récup de matos par rapport aux années précédentes. De matos divers et variés. J'ai notamment réussi à récupérer deux ordinateurs portables. Alors, je ne vais pas forcément préciser où et à quelle occasion, mais j'ai été content de pouvoir les ouvrir d'une part, de pouvoir ajouter de la RAM et de pouvoir remplacer le disque interne par un SSD. Et ça a donné juste un coup de fouet monstre aux machines. Et les machines vont, alors je ne vais pas moi les utiliser, j'ai bien assez d'ordinateurs, mais du coup je vais les donner à des gens. À des proches qui, je le souhaite, en feront bon usage et pendant de nombreuses années. Alors, est-ce que c'est toujours ça, la bonne URL? En général, le service essaye de les refiler à des étudiants dans le besoin. C'est une excellente idée. J'approuve. Je sais pas si non, c'était pas ça. By Stories, mais DVWA, c'était pas bon. Allez, hop, DVWA GitHub. DigiNinja. C'est marrant. J'aurais juré qu'ils avaient le .co.uk à une époque. DVWA. Salut à toi récemment. Et oui, effectivement, il y a des associations qui recyclent. Je suis assez d'accord. C'est assez chouette. Et si vous aimez celui avant, celui avait un i7 de 4ème génération, mais pour l'admin 6, honnêtement, j'avais pas besoin de plus. Alors, pour l'anecdote d'Adoops, mon comment dire, ce que alors, je sais pas si on peut, je sais pas quelle est la version française de Daily Driver, de l'expression anglaise Daily Driver, mais mon Daily Driver perso, donc c'est pas le XPS, hein, le XPS c'est mon ordinateur pro, et mon Daily Driver perso, lui il a un Core i5 de 3ème génération, c'est un MacBook Pro mi-2012 en 13 pouces, et c'est une machine de récup. Et honnêtement, pour ce que je fais, c'est-à-dire notamment faire mes posts de blog dans VI, faire notamment retour vidéo aussi pour les streams. Alors par contre, c'était un peu léger pour streamer, certains s'en sont rendus compte. Je crois que c'était au mois de mai où j'allais partir. Non, c'était début septembre. Donc durant le mois d'août, j'avais voulu streamer avec cette machine-là juste pour faire un test. Et ça a été juste une. Juste. Ça a été un cauchemar. Donc j'ai compris. On ne stream pas avec un Core i5 de 3ème génération. Encore que, bon.
Pour l'anecdote, la machine de stream, mon PC, il a un Xeon qui est un équivalent de Core i5, non pas de Core i5, de Core i7 de 4ème génération. Donc finalement, il n'y a pas besoin de tant de patates que ça pour streamer. Enfin, je suis pas en train de streamer des jeux aussi. Et donc Adrien, dans son ancienne boîte, donnait tout à Emma Buntus. Ah, ça c'est gentil. Alors, Dame Vulnerable Bell Web Application. Alors si vous êtes un habitué de mes streams, vous savez qu'on a déjà joué avec ce CMS, j'ai envie de dire. Oui, en effet, ça dépend comment on stream. Eh ben, alors, là, dans notre cas de figure, j'enregistre en Full HD et je stream en 720p. Donc il y a une comment dire, il y a un y a un réencodage avant d'envoyer en stream. Et la raison pour laquelle je stream en 720p et pas en Full HD, dans l'absolu, je peux streamer Full HD, j'ai la connexion pour. Mais en fait, les serveurs Twitch derrière, ils n'ont pas toujours de la disponibilité pour faire du transcodage, puisque je suis juste affilié, ce qui est quand même déjà pas mal, et je vous en remercie d'ailleurs. Puisque c'est grâce à vous. Donc comme je ne suis pas partenaire, j'ai pas accès forcément au serveur de transcodage de façon un peu plus comment dire, un peu plus privilégiée. Voilà, exactement ce que dit Adrien. Si je fais du 1080, il n'y a que du 1080 pour les viewers, modulo que les serveurs de transcodage soient disponibles. Alors, release. Allez hop, source code, copier le lien. Wget commande notre farm. Ok. J'en prends bonne note. Faudra peut-être que je mette un truc. Installer wget. Donc une fois sur deux, tu n'as pas toutes les résolutions et du coup, celui qui a une petite connexion, il peut pas baisser. Tout à fait, Adrien. Et justement, ce qui s'était passé, c'est que certaines personnes m'avaient signalé que bah, ils pouvaient pas regarder mes streams de façon confortable. Et ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai donc abaissé à ce niveau-là. DVWA tiret, on va mettre 200.tgz. Hop. Il avait perdu une grande partie de son travail avec Git. Ah mince. Mon XV ZPF DVWA, voilà. Alors, ce qu'on va faire, public index.php, MV public hold, et puis enfin MV du DVWA en public, enfin un petit chown DVWA 2 points, on va même faire un petit un moins RV, tiens, hop. C'est marrant, je viens juste de percuter moins RV. C'est aussi un moyen mnémotechnique. Je ne sais pas qui est ce Hervé, mais visiblement, il fait du récursif et du verbeux. Public. Paf. Alors, comme quoi ne jamais regarder sur Stack Overflow à moins de savoir ce qu'on fait à propos de Git. Alors. Si maintenant je reviens ici et que je tente un http deux points double slash dvwa.example.com. Donc, pas de fichier de config, normal. Alors, il est où le fichier de config? Et bien, il est dans répertoire config. Hop. Alors. Donc on est sur une base de données MySQL. Ensuite, 127.0.0.1, alors database DVWA. Alors qu'est-ce qu'on avait mis? Tiens, j'ai perdu le...
On avait mis quoi comme login et comme mot de passe? On avait bien mis le FQDN DVWA, le name est normalement bien DVWA et le password. Je crois qu'on a mis le password qu'il faut. Ouais, on a mis le mot de passe qu'il faut. Donc tout va bien de ce côté-là. Alors le security label, on va le mettre à low. Et PHP IDS disabled, PHP IDS verbose. Allez, hop. Tout à fait, Adrien. C'est effectivement de la sécurité. Donc si je reviens ici et que je fais ça, ok. Alors je me demande si c'est pas admin, admin le mot de passe. Nope. Non plus. Je me rappelle plus exactement le. Allez, DVWA, default, password. Je me demande si c'est pas genre. Ce serait pas admin et DVWA? Non plus. Ah mais attends, je crois que j'ai pas tout installé en fait. Un download, installation. Il y a un setup.php, c'est pour ça. Setup.php. Voilà. Alors. DVW, c'est pas un service web qui te permet d'apprendre les failles. Alors, service web, j'aurais plutôt tendance à dire un CMS, quelque part, parce que c'est, ça se rapproche, enfin, ça s'installe un peu comme un CMS. Mais oui, tout à fait, c'est une application volontairement vulnérable qui permet de pouvoir s'essayer. Je t'en prie, Adrien, merci d'avoir signalé. Alors, le Halo URL include. Ça, on pourra toujours le rajouter après. Content mismanagement system. Oui, 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 on peut dire ça, The Tourist. On va quand même essayer de résoudre les trucs en rouge. Hein. Ah, pourtant, il appartient bien à l'utilisateur DVWA. Donc, normalement, il est 664. Normalement, c'est bon. Writable folder. Config. No. Ah, pourtant, il est en 775. Il est en 775 et il appartient bien à DVWA. C'est. Ok. Ah, mais c'est peut-être à cause des URLs open et à cause des. Les droits de TMP. Les droits de TMP. Bah, il n'y a rien dans slash TMP là. Et à chaque fois, il est. Tu vois, là, pourtant, il me dit bien qu'il est. Alors, j'allais jeter un œil à ça. J'ose espérer que c'est pas un chmod 777. Oups là. Alors, uploads. Uploads 775, non, c'est bon. Déjà, ce que je vais peut-être tenter, c'est de voir si je peux réactiver l'allo URL include. Je sais que c'est moche, mais. Oui, je l'oublie souvent le moins D. Hop. DVWA. Et on va lui rajouter. Alors. Je crois que c'est un truc du genre admin value. Alors attendez, je vais aller chercher mon anti-sèche. Ouais, c'est ça. PHP admin value. PHP admin value. Et on lui dit comme ça.
Oups là, qu'est-ce qui m'a fait? Hop. Non. Voilà. On y est presque. Et en fait, dans le PHP admin value, on peut lui dire allo URL include. Voilà. Et on lui met égal yes. Alors par contre, il faut que je relance PHP FPM. Alors est-ce que c'est tiré ou c'est underscore? C'est underscore. Ah, status. Voilà. Bonne question. Ok. Si tu réponds tout seul à tes questions, tout va bien. Hop, alors, c'est activé, recapture missing. Donc ça, c'est fait. Mais par contre, il n'arrive pas à écrire là-dedans. C'est quand même dingue, ça. On est d'accord, hein. DVWA, que ce soit l'utilisateur ou le groupe, il arrive à... Ah, mais attends. Nginx. Ouais, non, Nginx, il est dans le groupe DVWA. Pour le fichier... Ah, et ce Linux. Ou alors PHP FPM qui peut restreindre l'écriture. Alors éventuellement, ce que... Bah c'est... Non, c'est quand même bizarre parce qu'il arrive à écrire. Il arrive à écrire dans le répertoire uploads. Parce qu'il y a un... Qui c'est qui a dit SE Linux? Qui c'est qui a dit SE Linux? GG Adrien. GG. Bravo. Je crois que c'est CHCon. Hein. J'ai pas fait de SE Linux depuis un petit moment. À mon grand désarroi. Donc si je fais ça et que je mets dans le répertoire config. Comme ça. Le répertoire config, il est passé en RW. Ok. Répertoire config, oui. Et maintenant, bon, on va lui donner carrément le chcon sur le répertoire TMP. Voilà. Et... Non, toujours pas. Ah bah oui, il faut vraiment que je lui donne sur le fichier, en fait. PHP, gna gna. Voilà. Et ben, c'est parfait. C'est parfait. Ça, c'est bon. On va pouvoir créer. Et donc, les credentials sont admin et password. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, déjà, c'est cool. On a un site web. Alors, j'ai déjà fait des streams hein, sur des VWA, donc je ne vais pas vous en refaire. On va pas rejouer avec. C'est plus pour... Déjà, d'une, ça permet de dire aux gens, ça existe, vous pouvez jouer avec. Mais ça permet d'avoir... Ça permet de changer de WordPress, en fait, sur tout ça. C'est que des gens qui installent du WordPress, j'ai envie de dire, y a pas de, c'est pas très drôle. Et pour le coup, l'installation de DVWA est quand même plutôt pas mal. Et puis, donc, on a les instructions, voilà, qui expliquent un peu tout comment on s'y prend. Le setup de la DB, ben ça, on l'a vu. On a même le niveau de sécurité qu'on peut rechanger. Et puis, hop, PHP Info. Voilà, PHP Info. Et on est sur, donc, PHP 8.1. Alors, je ne l'ai pas mise à jour, hein, la Fedora 36. Hein, elle a bien quelques mois de...
2 mois sans mise à jour. Sans mise à jour, ouais, ça se voit, oui, effectivement. Qu'est-ce qui se passerait si jamais il me... Oui, il n'y a pas le kernel 6, en effet. En effet, on est encore sur un 5.17. Si je fais un check update, déjà, il me montrait quoi? On a quoi? Network Manager, Audit, Bash. Bash, ok. Ah ouais, il y a un paquet de trucs, hein. Il y a un paquet de trucs, forcément. Je suis curieux. MariaDB, ok. Des mises à jour. Nginx, forcément aussi. 1.22. Et il me dit quoi là sur la version d'Nginx? 1.22.0. Et il me propose une 1.22. Une 1.22.1. Ok. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas persistant. Mais là, l'idée, c'était juste de au moins de valider l'installation. Hein. Le principe, avant tout, là, sur ce projet-là, c'est pas forcément d'aller jusqu'à l'installation de DVWA de façon fonctionnelle. C'est juste de pouvoir valider que le rôle LAMP que j'ai créé, il fonctionne. Et que je peux installer un CMS. Après, ce que je peux très bien... Ouais, il n'y a pas de souci, Adrien, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je suis en train de me dire, c'est que si jamais je réfléchis en mode, on va dire, hébergeur. En mode hébergeur. Supposons que je décide d'avoir ce truc-là et que, dans le cadre du lab, j'imagine que ce serveur représente un hébergeur avec des clients qui viendraient se connecter sur le serveur pour poser leur site. Je pense qu'à ce moment-là, il faudrait potentiellement que je change le chconf sur le répertoire public en disant vas-y, c'est open bar pour tout ce qui est en dessous, en fait. Que je désactive. Non, 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 non. Hors de question. C'est à la rigueur, je veux bien le mettre en permissif de façon temporaire pour débugger, mais. Pas de désactivation de SE Linux. Pareil, sauf cas temporaire, si vraiment je vois que... Mais normalement, le passer en permissif est censé être suffisant. Mais je vois bien que tu l'as fait pour la blague, hein. Tu l'as fait exprès, hein. Ouais, bah il y a un paquet de mises à jour, effectivement. PHP 8 ans... Ah oui, 8.13. Ah oui. Il y a quelques patchs de sécurité qui manquent. bref. Bref. Alors. Maintenant qu'on a... On a globalement un rôle qui est à peu près fonctionnel. Un rôle fonctionnel. Qu'est-ce que je pourrais vouloir lui... Si. Alors. Parmi les choses que je vais vouloir continuer sur les prochains trucs, sur les prochains streams. C'est pas à jour, mais on a l'abri SE Linux. Et pour les gens qui ne sont pas sous Fedora ou sous les Red Hat compatibles, la blague est aussi valable pour Apparmor. Et dans certains cas de figure, pour les gens qui sont prêts à lâcher un peu d'argent, tu peux aussi mettre GR Security. De toute façon, c'est sous Linux, il n'y a pas de virus, pas besoin de protéger. Alors, The Tourist, c'est assez marrant que tu dises ça parce que dans une ancienne vie professionnelle, je tairai laquelle, dans une ancienne vie professionnelle, les serveurs Windows, ils avaient droit à leur maintenance mensuelle pour patch. C'était obligatoire. Tous les mois, fallait patcher, je crois. Je crois que c'était tous les mois. Ouais, c'était tous les mois. Et les serveurs Linux, c'était de la Red Hat, bien entendu, hein. Les mises à jour, non. Non. Non, ils sont moqués.
Et il a fallu faire du, on va dire, il a fallu faire du, de la gestion du changement, hein. C'était pas facile. C'était pas facile. Mais normalement, les mentalités ont changé depuis. Oh, allez, juste pour la blague, allons-y voir. Allez, liste des malwares Linux. Ah zut, hop. Alors. Sont en général considérés comme protégés des virus. Ok. Alors, il y a quand même des vulnérabilités. Il est ouf, oui. Oui, virus.exe, il marche pas, ça c'est sûr. Virus multiplateforme. Ouais, mais après, ouais, bon. Menace, bah oui, quand même. Chevaux 3. C'est marrant, je vois pas. Mince, comment il s'appelait? Oh la honte, j'ai fait des vidéos dessus. Le botnet Mirai. Il parle pas de Mirai? Non. Oui, effectivement, la page a pas l'air à jour. Alors, on va les regarder en anglais, tiens. Alors, en anglais, ça a l'air déjà un peu plus. Mais voilà, botnet. Mayhem, Mirai, voilà. Maintenant, on parle. Oui, c'est bien plus vieux qu'un an, Mirai. Je suis assez d'accord. Mais j'estime que c'est quand même un grand classique. Enfin, moi, tu me parles malware, virus sous Linux. Déjà, c'est un, les gens qui vont profiter des vulnérabilités pour aller coller des mineurs de crypto-monnaie. Tu vas avoir les botnets, dont notamment Mirai, mais après, t'en as d'autres. Et puis bon, je serais pas surpris qu'il y ait quelques cryptolockers quand même, non? Oui, voilà les web scripts. Bon, ça, c'est pas forcément spécifique Linux, mais alors les web scripts, ça t'en trouves aussi des trucs en PHP qui sont là juste pour. Ça m'est déjà arrivé de voir des choses sur des machines compromises. Genre, t'avais un script PHP qui était là pour manger des informations en requête post pour balancer du spam. Donc en gros, il prenait des adresses mail et du contenu en requête post, et les hackers, ils bourrinaient comme pas possible à faire des requêtes post pour envoyer plein de mails en fait. L'attaque de Dean avec les caméras infectées. Mirai, je sais pas si c'est celui de l'attaque Dean, on va aller vérifier ça. Mais Mirai, oui, effectivement, son mode opératoire, c'était d'aller taper sur les équipements type routeur, caméra, tout ce qui est petit matériel réseau, connecté sur Internet avec avec des logins et des mots de passe par défaut. Voilà, on va parler de l'Internet of Things, tout à fait. À l'origine, Telnet, et puis ensuite, ils avaient développé une version SSH. Alors, a priori, des botnets Mirai ont été utilisés pour attaquer le site de Brian Krebs, pour attaquer. Ah oui, c'est vrai que OVH s'était pris un gros DDoS. Ouais, c'est ça. Et effectivement, bien vu. Bien vu, Adrien. La cyberattaque contre Dean. Tout à fait. Sébastux, tu me trolles en proposant une URL en tout Linux. Allez, je vais quand même l'afficher. Hop là.
Quand les caméras font du DDoS, ah bah oui, effectivement. D'ailleurs, en parlant de caméras, vous connaissez la dernière blague concernant aujourd'hui les caméras connectées. Ah bah c'est bien, ils ont bien bossé leur référencement alors, tout Linux. Sérieux, il fonctionne encore en SPIP? Punaise. Toujours une catastrophe. En 2013, avec un pote, vous aviez collecté. Oui, bah oui, via Shodan. Bah oui. Oui. Et puis via Shodan, tu trouves aussi des imprimantes réseau aussi. Enfin, bref, je vais pas. On va pas transformer cette soirée en. En soirée Shodan, parce que là, c'est. On n'est pas sorti de l'auberge. On risque de rigoler pendant un moment et après, je vais peut-être avoir des ennuis. Bref, je voulais revenir. On va en profiter. On va essayer de se faire un petit plan de bataille, si ça vous va. Globalement, là, mon rôle en cible, ce soir, c'est une soirée chaude. Alors, en vrai, The Tourist, en vrai, ça m'amuserait. Ça m'amuserait de faire ce genre de choses-là. Mais il faudrait que je prenne plein de précautions. Et à mon avis, je sais pas si je pourrais prendre assez de précautions sans le risque de me faire jeter de chez Twitch. Bah écoute Adrien, merci d'être passé, merci d'être resté. Bonne fin de soirée à toi. Et n'hésite pas à repasser quand tu veux. Quant à moi, je n'hésiterai pas à t'envoyer mon public si je vois que tu streams après les miens. Alors. Vaut mieux pas. Oui, ce serait dommage. J'ai pas envie de me faire kick de Twitch juste parce que j'ai eu envie de faire joujou sur Shodan. Bref, pour en revenir à notre plan de bataille. Parce qu'on s'égare, on s'égare. T'as plein de geeks bien qu'on soit toujours en mode vie. Bien qu'on soit toujours. Pas de soucis. Et n'hésitez pas, bien entendu, à aller voir la chaîne YouTube de Adrien Linux Tricks. Une chaîne YouTube fort sympathique. Alors. Donc on a PHP, on a un Nginx, on a un PHP, on a un MySQL. Il y a ça que je vais vouloir faire aussi. On va peut-être pas s'y mettre ce soir, mais ça peut être sympa. Il y a aussi le fait que ici, vous voyez, tout est en clair, hein, c'est un fichier de variables et on a des logins et des mots de passe. Il y a Ansible Vault qui va permettre de mettre ça dans un coffre-fort en théorie sécurisé. Donc ça peut être une idée de mettre toutes les. Alors, de mettre tout ou presque les variables là-dedans. Ce que je suis en train de me dire, en fait, ce qui m'ennuie un peu. Parce que j'avais fait un truc similaire sur du code perso, donc que je ne vous ai pas montré. Où en fait, moi, j'avais carrément mis toute cette partie-là, en fait, dans l'Ansible Vault. Et je me demande s'il y aurait moyen de mettre juste pour chaque site. Je sais pas si je préfère juste site, name et mypasswd dans. Alors Sebastux, un HashiCorp Vault, bah déjà faudrait le monter. Faudrait le monter. En fait, dans l'idée, je suis tenté de dire, le but de mon code Ansible n'est pas forcément d'être, comment dire, d'être un truc prod-ready, mais plus de permettre de pouvoir réinstaller facilement toute ou partie de la plateforme de lab. Donc, je crains que un HashiCorp Vault, ce soit probablement, comment dire, un peu la centrale nucléaire pour écraser une mouche.
tu mets une patte dans ton volt carrément. Comme ça, derrière, tu chopes à coup de ma variable voltée site.name. Ok. Ok. Donc, effectivement, il y a peut-être moyen. Ce que je serais tenté de vous proposer, c'est qu'on essaye. Alors, je pense qu'on fera ça. Je pense qu'on fera ça jeudi prochain. Dans ce cas-là, la partie. Essayer de mettre un Ansible Vault. Je pense qu'on va se garder ça pour la semaine prochaine. Ah, en fait, Sébastux et Zotouris, vous allez avoir l'air chaud pour le faire ce soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos liens et on va se les mettre sur le Discord. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas fait de réclame pour le Discord de la chaîne ce soir. Donc le Discord de la chaîne, dont l'adresse est là. Alors c'est marrant parce que du coup, je pointe vers mon lab. Mais non, c'est pour vous montrer que c'est là, c'est à côté. Vous avez l'adresse vers le Discord, vous avez aussi l'adresse vers mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Faudrait vraiment que je rajoute Mastodon d'ailleurs. Donc l'entrée bien entendu, c'est open, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, je voulais prendre le lien, hop, et donc aller le coller dans les liens du live. Hop. Tu veux qu'on le fasse maintenant? Bon, allez, on va le faire maintenant, alors. On va le faire maintenant. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est par aller retourner voir. Bon, bah, de fait, on va copier le lien. Puisque c'est effectivement le Vault Guide. Hop. Alors. Salut à toi, Bilouret. Créer. Ah oui, tiens, on peut carrément juste. Tu peux juste. Parce que moi, je pensais carrément créer un vault, un fichier, quoi. Mais s'il y a moyen de faire juste une... Ah oui, par contre, faut... Ok. Vault password file... Ouais, je peux juste chiffrer les passwords. Ce qui est pas mal. Alors, password source. Ah, c'est intéressant, ça. Alors, hop, je vais quand même grossir pour que vous puissiez le lire aussi. Là, c'est carrément pour créer les... pour les fichiers. Alors... Alors là, le truc qui me chiffonne, il dit encrypt string, moins vault password-file. Il y a moyen d'avoir un... Parce que si je fais ça... Ouais, not found, normal. Et la question que je me pose, c'est que si je lui dis non plus.
Salut à toi, JC Guillon. J'espère que tu as passé une bonne journée et que ça va bien. Alors. Tiens, on en est où du bingo? Moins, ask, volt, passe. Ah oui. C'est celui-là alors. Hop. Hop là. Alors, je suppose que de fait. Hop. New password, bon bah on va mettre password. Hein. Ah ok. Bah voilà. Et contrôle D to end input. Ok. Donc si je suis bien le principe, ce que je dois pouvoir faire, c'est hop. Si j'ai par exemple ici my password password, alors je refais la même chose. Attention, là il a pris la fin de ligne dans ce qu'il a chiffré. Ah oui, on va essayer de faire attention. Zut, j'ai oublié un truc. Alors. Donc c'était mypasswd. Mypasswd. Donc si je pige bien. Ah, pour. Alors, Ansible Vault, Encrypt. String, bar, mon name, fou. Parce que là, en gros. Là, si je pige bien, faudrait que je copie-colle cette partie-là. D'ailleurs, je me suis trompé, non? Alors attends, lui il a pas de mot de passe. Lui c'est juste password. Donc l'encrypt string ce serait password. Voilà, et normalement ah non, il m'a pas mis la même chose. Bon. Et donc à partir de ce moment-là, je peux copier ça. Et je le mets ici en fait. Alors, JC Guillon, il se trouve que j'ai un fichier de variable dans mon rôle Ansible. Et ce que je veux, c'est faire en sorte que les mots de passe ne soient pas en clair dedans. Donc on fait joujou avec Ansible Vault. Alors moi à la base je pensais avoir carrément un fichier Ansible Vault complet qui contient donc plein de variables, mais a priori il y a moyen de juste chiffrer juste des variables dans un fichier de variables et pas de créer un fichier complet chiffré. Et a priori, hop, on ferait comme ça. Oula. Faire un 2.set paste et on va revenir comme ça, copier. Voilà.
Je pense que c'est ça. Hein. Et donc, si je me lance maintenant, si je relance mon Ansible Playbook, il va falloir que je rajoute le moins -ask-volt-pass. Si je dis pas de bêtises. On va le tenter d'abord avant, sans. Et normalement, il devrait me, comment dire, il devrait me râler, il devrait me dire, eh oh, il te manque des choses. Ah bah non, mais attends, il va pas me refaire des... Ah bon. J'ai eu peur qu'il me chouine encore sur les dépendances Python. Voilà, attempting to decrypt but no vault secret. Ok, super, ça c'est cool. Sinon, plusieurs fichiers vault dans les groupes... Dans les groupes vars, all. C'est une autre possibilité, effectivement. Alors, ask vault pass. Hop. Donc là, il me demande le mot de passe. Et donc, il déroule le biniou, a priori. Bon, je vais le couper là. Et si je lui dis moins moins tags, qu'est-ce qu'on va lui dire comme tags? Bah MySQL et PHP. Ouais, allez hop. MySQL. À mon avis, il va skip, mais. Ouais, skipping. Bon, il me. Ah non, il skip ce truc-là. Ok. Et si jamais je le fais sans... Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, il n'est pas content. Très bien. Bon, au moins, ça ira plus vite. Maintenant, autre question questionnante. C'est que là, j'ai une... Alors... Oui, touriste, il y a moyen de stocker le mot de passe. C'est effectivement le cas. Je ne sais plus comment, mais de toute façon, bah, entre nous, enfin hein, entre nous, le truc étant un environnement de lab que je push sur GitHub, le mot de passe c'est password et l'environnement, voilà. Ah, pas en stockant le mot de passe? Tu le mets pas tu le mets pas genre dans une variable d'environnement ou dans un fichier? La question que je me pose, c'est que si maintenant je décide ici de mettre ça là. Et là, au lieu de mettre new vault, alors, au lieu de mettre password, ce que j'avais mis, ce que je veux mettre, c'est que je veux mettre Ansible. Ah bon? C'est bizarre ça. Ici je fais foobar. Ah d'accord, c'est juste moi qui m'étais trompé dans le. Ok. Alors, je prends ça et je vais le glisser. Oh, j'ai fait comment l'autre là? Donc là c'était password hein, de mémoire. Et ici, on a donc deux mots de passe qui sont pas chiffrés avec le même mot de passe. Ouais, est-ce qu'il va m'insulter? Oui, il m'insulte.
Si cette fois-ci je mets foobar, normalement il va me réinsulter. Voilà, donc attention, quand on y va comme ça avec juste les variables, il faut s'assurer de taper le même mot de passe à chaque fois. Alors le vault password file, bah oui c'est parce qu'on avait justement dans le truc moins vault password file. Alors ce que je vais faire, home Nils. Et on va l'appeler Ansible passwd vault. Voilà. Et pendant ce temps, Sebastux, notre source inépuisable de documentation sur Ansible, nous propose. En fait, je vais finir par renommer ces vidéos. Je vais mettre Sebastux m'apprend Ansible, en fait. Ce qui est un compliment, hein, que je sois très clair, c'est un compliment. Letter, multiple vault passwords, moins vault ID. Ah, ok. Ok. Pratique. Bon, après, dans mon cas de figure, tu votes pour. Dans mon cas de figure, je pense qu'un fichier de mot de passe, c'est pas mal aussi. Alors, ce qui veut dire qu'on peut recommencer, et au lieu d'ici de faire encrypt string, on avait vu que c'était avec moins moins, voilà, hop, password file. String, donc là, et on met. Hein, quoi? Moins moins vault-password-file. Password file. Donc là, je vais donner le chemin. Ah, j'aurais peut-être pas oublié le. Si, j'ai oublié le encrypt string. J'ai enlevé le encrypt string. Encrypt string. Hop. Voilà. Là, on est bon. Ou l'autre. Voilà, ici. Hop. Si je modifie l'option dans le fichier de conf, je peux retirer l'option de ma CLI. Ah, oui, d'accord, je vois. Donc maintenant que j'ai ces deux-là, si je reviens ici, normalement, je peux même lui dire ici. Moins vault password file, je vais pouvoir lui dire ça. Là, normalement. Ah bah non. Ah oui, c'est ici, c'est là où j'ai dû faire des bêtises. Lui, il aurait dû aller là, en fait. C'est ça. Ou pas. Ah, c'est peut-être les dièses, non? Non, si, c'est où? Ligne 85, colonne 1. Ligne 85, colonne 1. Ah oui, c'est les tabulations, il a pas aimé. Alors, attends, on va recommencer. On va recommencer. On va revenir là. Et je vais reprendre depuis ici. Voilà. Là, ça devrait être mieux.
Ah, là, c'est mieux. Oui, cool, geek, sans doute table au lieu d'espace. Ok, bon, il a skippé, mais je sais qu'il est passé, il est passé dessus. Donc ça, c'est cool. Là, hop, ça va être pareil, on va mettre fou passe. Mais non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Et c'était le dernier. Ok. Donc je laisse en clair à côté, mais c'est plus parce que bon, c'est plus parce que c'est un lab. Bien entendu, hein. Et ce que je vais peut-être même indiquer, c'est que ici, voilà. Comme ça au moins. Là, on est bon. Là, on est bon. Bon, moi, bah, finalement, ça a été rondement mené, cette histoire. Bender, un job, ouais, exactement, un job well done. Bah, merci à vous en plus, hein. Merci, merci Sébastux, merci The Tourist pour votre aide tous les jeudis soirs, toujours au rendez-vous sur Ansible. Alors, bah, encrypt password, on va être MariaDB, hop, using. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y en a un autre qui je n'ai pas modifié de mot de passe. Hop. C'est bien entendu le mot de passe de l'ADB. Et il est ici. Alors. Hop. Et. On va refaire la même. Sauf que ici. Oh, j'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette. Allez. Alors, déjà, je vais commiter ça. Et pendant ce temps, est-ce que vous allez trouver la boulette que j'ai faite? Voilà, hop. Voilà, ça c'est fait. Je me suis planté dans le mot de passe, effectivement. Je n'ai pas changé le mot de passe, en fait. Salut à toi d'ailleurs, Castor Génial. Hop. On va revenir là-dessus et c'est. Ah non, fou passe. Non, c'est bon en fait, je me suis pas. Je me suis pas planté en fait. J'ai fait quoi? J'ai fait
Password, donc ça c'était MySQL. Foupass, ça c'est bon. Et pass... Non, c'est bon. C'est bon. En fait, j'ai pas fait de boulette. Tout va bien. De toute façon, on va vérifier ça tout de suite. Hein. On va relancer, je pense, une dernière fois le. Pour la soirée, le... Oui, non, mais oui, effectivement, le piège. On peut se dire, mince, j'ai pas modifié le truc, en fait, si. Ou parfois, je l'ai modifié, ou en fait, non. Donc là, bon, pas besoin, hein, nos passwords, hein, c'est parce que son MySQL est à false. A priori, j'ai pas d'autres mots de passe. Hein. Non, j'en ai pas d'autres. Allez, c'est parti. Dernier run de la soirée. Hop. Et cette fois-ci, je mets la totale. Bon, après, c'est que du lab. Hein. C'est que du lab. Normalement, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'enjeu autre que ma propre fierté. En vrai, tu vas pas confondre MySQL root password avec 64 caractères aléatoires innommables. Ah, marrant ça. Il a changé le... Ok. Je pense que je vais vouloir le relancer une deuxième fois pour le principe. Ah non, ah oui, c'est les contextes SE Linux. C'est les contextes SE Linux. Il est en train de les réappliquer, donc en fait, on est en train de perdre les modifs qu'on a faites tout à l'heure. Vous vous rappelez, quand Adrien était là, on avait fait quelques modifs à ce Linux pour que certains fichiers soient disponibles en écriture. Et en fait, hop, si je reviens quelque part plus haut... Si je reviens quelque part plus haut, à un moment... Je m'occupe des contextes SE Linux. Voilà, là, je mets httpd 6 contente. En fait, ce que je pourrais faire, c'est carrément le coller en read-write à ce niveau-là. Je vais attendre que le run est fini. Et... Oui, Sébastux, je m'en suis rendu compte. Je les vois défiler les mots de passe. Et c'est là que je suis très heureux que ce soit un environnement de lab avec des mots de passe bidons. Et franchement, je sais pas comment... Enfin, je sais qu'on a déjà évoqué les problématiques d'affichage de mots de passe dans des streams précédents. Mais franchement, ça m'horripile. Je sais pas comment aujourd'hui... Alors peut-être qu'il y a eu des modifications sur la dernière version d'Ansible, hein, qu'on n'a pas. Pour le moment, mais ouais, no log à trou, effectivement, mais donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a zéro log, quoi. Et donc c'est soit tu acceptes d'être verbeux et que ça affiche des secrets, soit c'est pas verbeux, quoi. Alors je serais très heureux que tu testes de ton côté. Nous, on avait fait des choses, hein, si tu te rappelles bien. Mince. Bah alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, bon, je vais attendre qu'il ait fini. Mais, ouais, c'est ça, on avait fait ces trucs-là, les nulogs, Ansible, Verbosity, ce genre de choses-là. Mais je crois qu'on n'avait pas, eu une super réussite, hein. On pourra peut-être réessayer ça la semaine prochaine. Parce que là, grosso modo, donc cette histoire de mot de passe, c'est géré. Pourquoi
Pourquoi il me... Ah, d'accord. Hop, si je reviens ici. Alors, history. Ah non, c'était. Non, c'était bien là. History. Grep, chcon. Donc, on a dit HTTPD. Voilà, 6RW content. Voilà. Et donc. Lamp. Allô. SE Linux context to read and write. Le plus barbu de ton équipe a cherché sans trouver. Mais en soi, il n'y a que toi qui le vois, non? Sont écrits quelque part. Alors oui, tout à fait, ils sont écrits quelque part, Castor Génial. Moi, par défaut, je les balance dans slash tmp slash ansible.log. En tout cas, sur ce lab. Mais dans le principe... Dans le principe... Hop, dans le principe... Alors, de toute façon, même en nolog, si tu set en var ansible debug allant, on voit les passes. Ok. Sébastux, qu'est-ce que tu nous pastes de sympathique? Stockage des logs est configurable dans ansible.cfg. Oui. Oui, bah justement, moi je l'ai configuré là. Hein. Manager context file mapping. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Bah c'était ça, save context. C'est bien ça. Sauf que j'avais ici, j'avais un 6 content, mais je l'avais pas en read and write, en fait. Donc je disais, ouais, on va relancer un autre. Donc sans doute l'avant-dernier, parce que j'en lance un et j'en relance un autre pour, comment dire? Pour m'assurer que deux runs successifs, le deuxième finalement ne modifie rien. Pendant ce temps, moi je vais aller ici, on va aller dans Git, GitHub, hop, la base code, voilà. Et normalement, si je fais un petit fetch, voilà. Et si je reviens ici et que je fais un petit git log. Il me faut celui de ce... Il me faut ceux de ce soir. Et... Oh, on en a fait des commits ce soir. Allez. Alors, git cherry pick. Ah, attends, j'avais pas un... History, pipegrep, ISP1, VPS1. J'avais pas fait un. J'avais fait le git fetch, mais il n'y a pas moyen de faire un git. Si, c'est ça, remote 2 points. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Fichtre. Je sais plus la syntaxe pour le remote 1. Parce que non, ça... non plus. Ah, je vais quand même pas faire un man. Ouais, alors le man git, à mon avis. Fichtre alors. Après, je peux copier-coller les IDs des commits depuis l'autre, en regardant ici. Mais de mémoire, je crois qu'il y a moyen de lire les logs du. J'ai bien fait un git fetch, hein, de toute façon, ce soir.
Ouais, j'ai fait un git fetch. Ça, je range. Ah, d'accord, donc ça devrait être plutôt ESP1 slash main en fait. Voilà. Voilà. Maintenant, on va falloir s'en rappeler. Alors. Si je fais un pipe head, moins 4, moins 5, moins 6, on a la semaine dernière. Ok. Donc à partir maintenant, je fais un git cherry pick. Et je dois pouvoir cherry pick ça, ça. Alors je sais plus si je peux cherry pick comme ça. On va vite le savoir. Oui. Et là, ma... Ok. Et à partir de là, je peux git push. Ce qui fait que... Hop, roulement de tambour. Si je vous montre le labase code dans l'état de ce soir sur GitHub, eh bien, hop, voilà, un peu gros. Là, c'est mieux. Et eh ben, vous pouvez voir qu'il y a 41 secondes. Voilà, on a. Si on veut voir l'historique des commits, on a eu ceux de ce soir qui sont dedans. Ok, ça c'est cool. Je suis assez content. On a un workflow qui marche. Ça c'est cool. On a un workflow qui passe bien. Allez, un dernier run pour la route. Donc là, il y avait 4 changements. Donc normalement, ça c'est le dernier run de la soirée. On a tout commit, on a tout push. On est bien là ce soir en fait. Ah, ça s'est bien passé quand même, mine de rien. Hein? Non, vous trouvez pas? On a franchement bien avancé là. Faut, non, de temps en temps, faut aussi se. J'ai envie de dire un petit peu d'autocongratulation et de congratulation pour se, fé faut se fé féliciter les autres et se féliciter. Et quand les choses fonctionnent, faut aussi le dire quoi. Faut. Ouais, mieux que dimanche, mais vous inquiétez pas, hein, dimanche, moi je vais revenir, je vais être ultra motivé, je vais installer des VM, je vais essayer d'installer des VM en avance, j'essaie de faire ça samedi ou demain, et genre une Fedora, une Debian, une Alpine, histoire de voir si c'est juste lié au Raspberry Pi ou pas. Alors pour ceux qui ont celles et ceux qui ont loupé dimanche, je voulais faire joujou avec le proxy Squid sur un Raspberry Pi sous Alpine Linux. Et en fait, Squid refuse de s'exécuter. Un message d'erreur à la con qui est toujours le même malgré les changements qu'on fait de conf, qui laisse penser des problématiques de droit, mais pas moyen de voir. A priori, tout a l'air bien. Donc j'espère qu'en regardant sur une autre plateforme que le Raspberry Pi avec la même distrib, si on a la même chose, ça veut dire que le problème c'est la distrib, si je peux me permettre. Et enfin, en tout cas, c'est quelque chose de lié à la distrib. Et si jamais ça fonctionne sur Alpine en x86-64, on pourra se dire que c'est un problème qui est lié à la plateforme Raspberry Pi sur Alpine. Pendant ce temps, ça se passe plutôt bien. Hein. À chaque fois, c'est skipping, skipping, déjà OK, tout va bien. Donc, je suis assez content. Il y a de quoi être content. Et donc, merci à vous. Merci à vous pour votre soutien, pour avoir regardé ça.
Alors vous pouvez aussi utiliser les emojis hein, pour le GG, JC Guillon. Je ne sais pas si tu y as accès, mais il y a les emojis moutons. Alors qui sont principalement réservés aux abonnés, mais je crois qu'avec les points de chaîne, vous pouvez les récupérer. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Moi, ça me fait plaisir de voir les moutons popper dans le chat. Et si vous vous demandez à quoi ils vont ressembler, bah, c'est très simple, hein. Voilà, hein. C'est l'avatar, hein. Bien, 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 bien. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Ah, j'ai vu un changement. J'ai vu un changement. Il a changé un truc. Il a changé un truc. Il a changé quoi? Ah, c'est les droits, c'est les privilèges. Et ça y est, voilà, il y a plein de moutons GG. Merci. Ah, ça me fait super plaisir. Ok, c'est les privilèges. À chaque fois, il les réapplique. Bon, c'est pas dramatique. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Oui, puis à chaque fois, oui, majuscule. Ouais, à chaque fois, bon, il boucle. Ok. Très bien. Et ben vous savez quoi? Je crois que ce soir, on peut se dire un truc. Je peux vous dire un truc. C'est que j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Voilà. J'avais envie de la sortir. Bien, 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 bien. Ah, qu'est-ce que je suis content quand les soirées se passent bien comme ça. Juste assez de, comment dire? De difficultés pour que ce soit challengeant et qu'on se sente enrichi d'être arrivé au bout de cette soirée. Bien, donc si jamais vous voulez si vous voulez voir la suite, c'est très simple, c'est les jeudis de 20h à 22h. Et si jamais cette histoire de Squid vous a intrigué, bah c'est très simple, c'est dimanche de 18h à 20h. Donc ça, ce sont mes horaires habituels de stream. Le jeudi, donc, on fait habituellement le Labas Code. Et puis en ce moment, les dimanches, eh ben, on fait d'autres trucs, histoire de ne pas être le nez dans la tête dans le guidon, le nez dans le vélo, histoire de varier un petit peu les plaisirs, les sujets. On s'approche de la fin de l'année, donc je vous rappelle que normalement, dernier stream de l'année, ce sera normalement le 18 décembre. Après, bah, ce sera les fêtes de fin d'année. J'ose espérer que je serai en forme dès le 1er janvier pour l'anniversaire de la chaîne. Si jamais d'ailleurs vous voulez qu'on échange sur quelques idées pour fêter dignement les 2 ans de cette chaîne Twitch, bah, n'hésitez pas à rejoindre la bande de joyeux drilles que nous sommes sur le Discord, l'URL est en dessous. À noter aussi que vous pouvez me retrouver. Et retrouver tous mes réseaux sociaux et pas seulement ceux qui sont affichés en dessous. Vous pouvez aussi les retrouver sur anotherhomepage.org. De toute façon, le lien est disponible en dessous dans tous les trucs about de la page Twitch. Mais je vous le reposte ici. Vous y trouverez bien entendu bah, l'adresse du Discord, l'adresse de mes réseaux sociaux, Twitter, Mastodon, Instagram, LinkedIn, la totale quoi. Si jamais tout ça vous plaît, bah, on peut échanger donc sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Ce que je vous propose, c'est que pour finir cette soirée proprement, on va aller rendre visite à Virtua Labs, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas raidé. Donc on va aller lui rendre une petite visite. Donc je vais faire comme d'habitude, hein, je vais mettre entre guillemets le rideau de fin de stream, mais vous pouvez rester là pour le raid. Allez, ciao ciao!